Parce que nous n'avons pas compris quel président nous avons. Et nous n'avons pas compris quelle est sa mission. Nous avons chacun d'entre nous d'autres missions. Je vais te faire rire. Hier, j'étais avec des amis. On s'est battu. Et là, on a un atout là-bas. Ça va. Moi, par exemple, j'ai souffert. J'ai fait la prison. J'ai critiqué. J'ai été arrêté plusieurs fois, enlevé. J'ai failli mourir. Non, sois réaliste. J'ai écouté son père. J'ai adopté son discours. Et j'ai suivi sa vision. Mais en aucun jour, il n'est venu chez moi me dire « Ça là, on a opé ce poste. » Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde va réclamer des postes chez Fatih? Fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, bienvenue à tous. Je reçois pour vous M. Maïs Chibamou, qui est analyste politique et expert en communication. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas parler de ces mandats de M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est une liaison géoperspective. On doit s'attendre à quoi exactement? Quels sont les résultats cette fois-ci et surtout avec la coopération, l'accord de coopération militaire entre l'RDC et la Russie? Alors, bienvenue, M. Maïs Chibamou. Merci, madame. Ça me fait plaisir en tout cas de vous recevoir pour la toute première fois dans notre studio et d'entrer des jeux pour Bétani Solo parce que ça se passe en Lingala pour la meilleure compréhension de tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en tout cas, même ceux-là qui sont en dehors de notre pays, va comprendre quand même qu'est-ce que nous allons dire exactement par rapport à Mboka. Parce que moi j'aime bien qu'on dise, qu'on parle de la République démocratique du Congo, bien qu'il y aura d'autres sujets là. Mais aujourd'hui, quand même, il faut le dire, c'est un acte salué par la population congolaise. Il y a été, il faut s'attendre quand même à la coopération au niveau bisotosiné entre RDC et Russie. Alors, j'aimerais quand même savoir votre analyse par rapport à ça, parce que je l'ai dit, un acte salué. Est-ce que vous saluez cet acte-là posé par RDC? Je pense. Je vais vous donner mon avis le plus clairement possible. En fait, notre population, nous les Congolais, nous avons un problème sérieux. Nous sommes comme les moutons de Panurge. C'est-à-dire, Congolais, RDC, tout le monde, on a l'ouïengi. Ah bon, toqué boué. Oh, toqué élection. Ah, toqué voter mon tutelle. Oh, candidat tel. Oh, président tel. Toqué, il t'a voté. Mais les gens ne se mettent pas pour lire l'actualité, pour lire le passé, pour définir l'avenir. Le problème, c'est que Tokena Kakana Luenge. Quand on parle de l'Occident, quels sont les faits historiques? Quelle est la position de l'Occident par rapport à l'Afrique et à la République démocratique du Congo? Avant de commencer à analyser la communauté internationale, Banyoko Labiso, la communauté internationale, Rwanda. Mais pourquoi tout cela arrive? Est-ce que les Congolais, tout de suite, mais bien évidemment, mais Congolais, toi, mon tu es actualité. C'est-à-dire que même guerre, il y a est, il y a un traitant à partir de l'Eloi, Ouazalendo va bimi, Ouazalendo va obéta, Ouazalendo va outi wapi, va komi wapi, va zokeni wapi, tu es évité. Et ça, quand même, bon, le roi Ouazalendo va bimaki, je dis que je ne suis pas contre. D'accord. Ok? Mais je dis, si les Ouazalendo sont des braves, et qu'aujourd'hui, bah, moni, que situation à Mboka, zo, qu'elle a bien été. Que Bango peut battre les mababou, n'est-ce pas, Mboka na Bango. C'est un contexte privé. Mais est-ce que ce contexte ne pouvait pas être généralisé?
ma katangé to zela jour ba zambie ba ko attaquer katanga jour ba katakatanga ba okota après ba wazalen ya katanga pe ba bimi. Vous voulez dire quoi par là? Non, je suis en train de réfléchir. D'accord. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir et dire ça fait longtemps nous sommes attaqués et que depuis que guerre kota tozo ko ko zo ka ba solution ti muta meme la biso bato wana muze akufa kote ba kene ko solo ba solo la nini ba yokanaka ndenge nini ti biso d'abord biso nan ba premier traître nan biso c'est dit to te ka mobutu biso mo ba ko. Mais oui, bien sûr. Parce que j'ai toujours voulu faire réfléchir les Congolais sur une chose. Tout le monde peut tout dire contre Mobutu. Mais nous avons eu dans ce pays 32 ans de paix. Et à l'époque du Zaïre, les autres pays en Afrique et dans le monde respectaient la République du Zaïre. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais même s'il a été appuyé par les Occidentaux. Quoi que l'on dise, nous retenons du Zaïre un pays uni, fort, anti-tribal. C'est-à-dire, on a monté là, on a dit gouverneur, Nakatanga. Moutunyo sa komuna yango, normal. Mais lelo oyo. So on a mbembate, on a la gouverneur, na okatanga te. So on a mouchoko te, c'est-à-dire qu'il faut dans la tribu moko composer lo ala ba pour na espérer aux ala gouverneur qu'on est puis OK pour ko tana bango na bango kuna o ba lunda o ba c'est dire bazoko bunda bo meka ko kamata o muluba aya di ma gouverneur c'est dire bitumbe bimi. Comment avons-nous laissé notre pays régresser na niveau yo ya que tobe un jour ko zala to vandi boye muta oti ba Congo azali gouverneur au nom de l'unité nationale na lo ala ba menele ko sala mate. C'est-à-dire que le pays est en train d'aller de régression en régression. Mais les gens vivent de l'actualité. Les tibino ba jeune bo, c'est-à-dire qu'ils vivent en actualité. Tu vas bien au nom de l'élection. Toute élection est assemblée nationale, assemblée provinciale. Là où ils ont mis les solos, oh bah le biso qui monte là, bah tiens. Mais comment, je me dis, comment on peut se poser la question? Parce qu'on ne peut même pas se poser la question, c'est tout à fait normal que Baïba. Pourquoi? À la base, n'avez-vous pas entendu que la CENI a fait du chantage sur le président de la CENI, sur les autres institutions, pour ne pas payer sa bango, ma membre et bureau, ma sina bango, bana na bango, ma payer sa bango quota. Bakamata batia bango ba député. Vous l'avez entendu ou pas? La CENI a fait pression sur vous. Est-ce que Boyoka quitté que ba membre ya CENI batia ki pression pour que bazwa quota, c'est-à-dire que le roi bango ba la CENI, net yo saka na CENI ya membre na bureau, ba pesi bino quota moko ya bato na CENI ba kotia ba famille na bango na kati ya ba parlement. Si ko tango bazui et l'équipe batia ba ndeko na bango. Vous pensez que tant qu'on va négocier, on va bailler, bah comme bah député. Et après, on va vous sabino. Mais comment pouvez-vous commencer à concevoir que nous tout valide pendant 5 ans pour un parlementaire responsable? Mais quand c'est basali choix, il y a peu. Mais on est sur quoi net tout ça, parce qu'on est sur quoi net la presse. Il tout valide sur qu'on a loué bah il y a pas détournement. Tant qu'on bailler, au fait, bailler qu'on détourne. Mais ce qu'on vit dans l'actualité, ouais, détournés qui, ouais. En fait, nous sommes en train de les accompagner dans leur système, dans leur détournement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, ce qu'il faut faire, il faut mourir, il faut se suicider. Oh. Oui, mais parce que, non, parce que les Congolais, nous ne voulons pas être le coup la bateau. Le monde entier se moque de nous, mais on s'en fout. Les choses sont devenues tellement terribles. Il y a, je ne sais pas, la vérité sur la robe est en mes gestions, non. C'est-à-dire la politique est devenue tellement sale. Nous sommes comme en enfer. Où, bah, dans le monde politique, tu veux faire quelque chose de bien pour le pays, il faut bon mana pour bah robo mayo. Mais bateau oyo, bah réussir la politique y a Congo. C'est-à-dire bateau bah poni bayi baba baby ça. Mais la meilleure politique c'est qui est Nadia Mungu de tout le bas. Donc Joseph Kabila meilleur. Il ne faudra pas voir la politique
Na sens, il y a Mobutu, il y a Tshisekedi, il y a Kabila. La politique, c'est la politique congolaise. Parce que les hommes politiques congolais sont d'abord des Congolais, avant d'être hommes politiques congolais. Le mal vient de qui? De nous, la population. Parce que la démocratie étant un système politique dont le pouvoir émane du peuple, nos représentants, ce n'est qu'une partie de nous-mêmes que nous avons envoyé là-bas pour nous représenter Bissot. Mais ce qu'on Bissot m'a mis tout, bah, Tibia et Peta, Makamboka tout ça, là, dans la cité, Makamboka, il y a des ordres tout ça, là. Il y a un peu tout, mais il y a un parlement, il y a un peu tout, mais il y a un gouvernement. Pourquoi est-ce que vous considérez que les hommes politiques congolais sont des extraterrestres? Non, ce sont des Congolais, exactement. N'est-ce que tu as dit que tu as dit que quand tu as un comportement, maman Wenze, au moins le même comportement, au moins une équipe nationale. C'est pas possible. Il y a au moins un gouvernement, il y a au moins un parlement. Un parlement, on dirait que c'est un basique. Quel est le cas de la députée qui se comporte? Au moins, Mathilde, il y a un papa responsable de mes cours, au monde, au Fingana. Mais où tu vois? Mais ils allaient n'engue na biso. Éducation de base, ils ont manqué biso nan. Les choses devraient d'abord commencer à être restructurées à partir de nos enfants. Oui, le chef de l'État que nous allons encore saluer, tant qu'il y a un système, il y a gratuité de l'enseignement. C'est pour que tout banana nous coûte à banana biso. Gratuité de l'enseignement, vous allez critiquer partout. Il y a un lobby, hein. Et le non, voilà. Voilà, vous allez critiquer qualité, vous allez critiquer gratuité. Mais pour que nous ayons un enseignement qualitatif, c'est encore un problème d'homme. Je pense qu'il faut tout ça en souvenir de l'époque à un père, ou bien inviter à haïtien, mais autant que ça, parce que le Congolais, qui bien, ils ont ça la bien-être. Le mal est dans la moelle épinière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes prisonniers de nous-mêmes. Parce que nous concevons mal la politique. Nous concevons la politique comme le monde du vol. Ça veut dire que inversion des valeurs, c'est-à-dire que Moutounios, oh, Lélo, Alignaz, à la députée, elle dit que Nao, Kende, Koyiba. Mais vous avez choisi la politique. Pourquoi? Parce que pour postuler qui? Mais je ne suis pas le Congo. Je ne suis qu'un Congolais. Mais nous nous rendons compte que la plupart ou la majorité d'entre nous conçoit les choses autrement. Et c'est regrettable. Et cela est Kokota Mingi quand on a renversé Mobutu. On a voulu donner le pouvoir aux pauvres. Oui. Moi, je dis toujours aux gens que tu vas retenir Yahoo. Non, non. Maman, au moins, la pauvreté, c'est un pauvreté? État d'esprit. En musée, on trouve. L'aisé, Azala qui moto, à qui l'ambition ma lame. Mais Mouza Kei, comme ça, l'alliance. En fait, le problème, il faut que tu aies une sarabane vérité. Mais tu as lié à ton vandi, il y a un moni que, je suis un peu de mabé, je suis un dictateur, je suis un peu de rabato. Tout le monde est d'accord avec toi. Mais ok, quand tu as un papaya, ma soda, tu as renversé mon bout. On s'est dit malam. Tu as tout dit. Tu as lié à ton vandi, tu as un peu. Tata bali moi c'est assis comme maman voilà il s'abuse au nzala. Bah ton aliban là bah il veut sortir maman nous voilà il s'abuse au bobo ma tata la bino. Po, boza la malamo. Po papa la bino kindumbe leki. Akuba la basi mon susu bino bala boko nyoka ma. Bino bokamati munduki bobeti tata la bino tata na sani ni akufi bokamati porte yanda kufungoli bapa ya bakoti. Bapa yana baba ndego na bino. Tango baye bakomi ko pie. Biloko na bino bakomi ko kabola yango. E komi mboka na bino na bango. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que le problème de Mobutu a été traité comme il se devait? Parlons de l'opposition aujourd'hui. Les gens disent ce sont au Congo il y a pas d'opposants. Au Congo il y a des opposés. Il y a pas d'opposants mais d'opposés. Non. Pourquoi? Parce que la définition d'un opposant, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ta manière de penser. C'est-à-dire, philosophie n'a pas été boyée, n'a pas été que philosophie n'a pas été boyée,
na memi eloko na ngai na sika pe bayele na sika ya kokama mboka. Mais ici on est des opposés, on est des ennemis. C'est-à-dire na sepela kana otende ngwa ka mwindu. Na kolula yo olongwa ngai na sani na fana. Mais makamu na mboka na yebi pété. La preuve to vandia wat. Bokota la ngai bosilika na banda ku botomboka bofinga ngai. Mais makamu nyoso to bande ko reprocher bato to bengana ki. Yango te biso to kosala banda to komi to lobani. Quand on est assis, on se regarde, mes chers frères. Mais toutes ces choses qu'on a reprochées dans le bateau, yo, on ne parle pas de détournement. Même à l'époque de Kabila, a-t-on parlé autant de détournement comme aujourd'hui? Même autant de Mobutu. Et puis, quand on a Mobutu, il a dit qu'il y a une élégance, c'est-à-dire qu'il y a une élégance, il y a une élégance. Mais les lois, on n'a plus d'homme d'État. Est-ce que doit-on conclure que le pays va mal? Le pays va très mal. Le chef de l'État, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de se battre seul. Il fait tout pour arranger les choses. Mais le président de la République, comme le disait le maréchal, n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il est dans tous les fronts. Félix Tshisekedi est dans tous les fronts. À Kenekounouka Poutine. Mais peut-être qu'il y a un moral inipé pour moi, autour de Kenekounouka. Non, dans le je peux te dire quelque chose. Que le peuple comprenne. Premièrement, au fait, nous n'avons pas compris et nous sommes encore en train de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris quel président nous avons et nous n'avons pas compris quelle est sa mission. Nous avons chacun d'entre nous d'autres missions. Je vais te faire rire. Hier, j'étais avec des amis. On s'est battu. Et là, on a un atout dans la bangongaï. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai souffert. J'ai fait la prison. J'ai critiqué. J'ai été arrêté plusieurs fois, enlevé. J'ai failli mourir. Soyons réalistes. J'ai écouté son père. J'ai adopté son discours. Et j'ai suivi sa vision. Mais en aucun jour, il n'est venu chez moi me dire « Salam, on a opé son poste. » Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde va réclamer des postes chez Fatih? Est-ce que l'objectif n'a pas été de faire un poste? Voilà comment les gens deviennent des voleurs. Parce que, au fait, aux obunda pour na mbokate, donc tu es un rebelle. Et c'est exactement ce que tu as fait. C'est-à-dire, vous êtes des rebelles. De la même manière. Sauf que vous n'avez pas encore pris les armes. Parce que si on vous laisse encore quelques jours ici, on va bien pourquoi on va Jean-Jacques Mam. C'est pas possible. Mais vous ne savez pas encore parler de la situation de l'Est. Mais la situation de l'Est est en train de nous tuer. La République démocratique du Congo est un pays qui a 2 345 000 km². OK? C'est un ensemble. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que chaque année, le budget ou le gros du budget de la nation
Qu'est-ce qu'il y a fort, il y a guerre. Mais au moins, que s'il y a des traîtres, il y a guerre. Le plus souvent, il y a des mingi en découvert est. Il y a des gens qui sont ndengeni bako boma bana na bino bako violer mais bino moko bato o bako boma bako violer au lieu bozo conscience olandaki leki ya moto moko auti ko sa ba video ako lobela biso ndengeni ni na famille na bango bake na ko trahir bake na ko swana kagame si kabiso to vandi awa mbongo ko uta na katanga uti na kasai to sangisi to tiango na kesi na l'état to dépenser ko soma minduki po ba neko na biso na est bali ko kufa. Mais bango bako zo conscience té. Ce n'est pas normal. J'ai dit le Congolais a un problème, c'est sa tête. Nous sommes en train de faire souffrir le chef de l'État pour net il est l'autre autour d'un premier que zobio président ba okaina Poutine. Malamo. Mais tant que le Congolais lui-même a comme ici likamona est cop. Lelo na boye bisona est na la kabaye bo makoti. Bani ko saba tintani ya mbongo ba okene ko boma batu na mboka moko boye baswa minere ba ba kaboli. Mais le jour où nous allons commencer à réfléchir autrement, par exemple, comme le disait Che Guevara, soko ayina masasi 10 moko bombela ngo munguna neti boye, c'est dire soyi to na 10 masasi moko to bombeli Kagame 9 to bani ko beta beta ngo na no ba et bato na biso ma traître ndeko yoka et si c'est que des dictateurs ou moi je dis je le redis quoi qu'au silica silica j'ai dit plusieurs chefs plusieurs fois chefs de l'État le Congolais ne mérite pas la démocratie nous ne sommes pas encore dans cette culture la démocratie c'est toute une culture ouais c'est que les moana a koli babani ko bokola ye na culture démocratique pourtant on comme mukolo a exercé en réalité bovandi bobolo bi ono banale to mi mboka mo démocratique ya la kate pourtant on bisto bito ko bota mayone ngo do tata nona mama no ba dictateur ba tali boso o koli mama bi na ko finga yo tam tout na kosi mais regardez dans nos maisons regardez dans nos... mais pourquoi est-ce que c'est pour ça que j'ai dit hein. En fait nous avons un problème nous voulons adopter makama mindele sans trop comprendre mundele tam c'est dire mundele. Moi, je maman sa maman va te faire foutre. Yo, le bando na tata va te faire foutre. Allons, le lobby l'ambat. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on décrète. C'est-à-dire, bon, les lots ont un pays démocratique. Non. Parce que, et ça, ma camo moto, c'est que les aïe, que la botami a coli nango, pas que la kisaye. Tant qu'on a coli, aïe dit que bon, et l'or, par exemple, les alliés, l'or, on a l'État. Et là, on a l'État, bah, baby, ça gâte. Mais bien sûr, le principe, elle est là, on a l'État, bouka, baby, ça. Donc, chef de l'État, il faut appliquer des dictatures. Naï, personnellement, oui. J'ai toujours pensé, Congolais, n'est-ce pas, l'IAWA. Donc, comme il a noté, tu sois chef de l'État, ou à l'IMOTE, maman, la moule, ou la fati, à comme on a bateau, ou la bateau. Pendant nous bateau, à Congo, bah, comme il bateau, t'es, bah, tu vas y nous dire, pungu, pungu. Mais qu'à quoi appliquer dictature à mon dégénin, ce qu'à Kabatou, à la dinga dinga, à la dinga, à détourneur, ou y'a mon pas le vité. Au moni, moi non, les hommes, c'est moi, toi, y'a des nini, na parlement, moi, na ton mokolo. Bureau d'âge, mokolo na bango, si vous yoka sali, basu ba député, nion soto. Moto, y'a pas mon nion sur la âge, bati, on a mouibi. Pendant que y'a une assignée à pèse exemple, ce que mouta boy. Nana président. C'est-à-dire, tu as dit que tu es au nom de justice pour bien être. Pas de tout, mais ça, tu es confi. Mais bon, il y a un lobby, c'est un choix. Il y a un lobby, c'est un choix. Il a fait le choix d'être démocrate. Il a fait le choix de laisser la justice s'en occuper. C'est tuer les pays. Ah, voilà, il y a un lobby. Si vous avez dit que c'est un lobby, c'est un chef de l'État. Makambo ko tikaboye yali ko boma mboka awa batu mitu esalaka bien te. Il faut changer la vision politique d'abord. Un, si ça ne dépendait que de moi, il y, permettez-moi je vais le dire aussi crûment que ça soit, il y a des gens qui ne méritent pas de vivre dans ce pays. Soyons sérieux, yo, c'est dit tant ba colon o alaki kasavubu o ali Mobutu, Ozali, au moins, nous sommes les gars, Mabouina, Yop, Oye, ce soir, Yop, mais attends. Vous avez dit que 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 vous
Ce qu'on mouta bongo, qu'est-ce qu'il peut encore donner au pays? Non, de... a l'expérience. Mais voilà, l'expérience, 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 et c'est un rassuré au moto avant de guider ma nouvelle génération. Parce que mon nouvelle génération, il y a un ordinateur. Monde qui est rapide, pour qu'on me la paie. Vanda la ndako. Et sa expérience, on a bana basangi, ça n'a pas comme on a si quoi, il y a mon kili, pas qu'on a mon kili malam. Mais est-ce que dès que vous allez qu'il y a un deuxième mandat où il y a chef de l'État, vous allez qu'on monne, il y a un bon amakambo, vous allez qu'il y a un bon amakambo, vous allez qu'il y a un bon amakambo, répéter, ben, il y a passé. Mais est-ce que à quoi réussir un mandat? Ouais, tu vois, on a ce qu'on tourne. Non, non, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait lui faire confiance. Mais aussi l'aider à comprendre que les erreurs du passé ne sont pas seulement les erreurs, mais c'est aussi le collaborateur, l'homme autour du chef. C'est aussi des erreurs. Les choix politiques sont aussi des erreurs. La bonté dans le comportement, ça peut être aussi une erreur. Parce que quand, au moins, la problématique avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il a beaucoup de considération pour les gens. Si le problème est que, biso awa to mesani bongoti. To mesani mukonzamboka, mukonzamboka. Diyo leka bebe tio fimo. Moni mouzeta wa yaki. 3-4 fois que je ma fille, si elle est là, 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 oui, ça veut dire que tu es là, elle est là, ça veut dire, dans la minute, au chef de l'État, va dire, c'est là, alléluia, amen, remarque. Bima na balabala toi na 24 ans. Talaga ne to tambola na balabala. Regarde dans les carrefours, devant les feux, regarde nos taximens. Voilà comment est-ce que le pays est conduit. C'est des choses ngoye ba. Nema mutambola na gouvernement. Vous avez besoin pour toi que nous on est pas ça mal compte de tête. Bima na 24 ans. Talaga ba taximens ba bis de nous de ka. C'est des moto pe non moni moto zo ya boyi. Il faut les canoës à thé, vous tenez pour nous discuter. Moi, quand on discute, on a, eh ben, nous sommes là, on a, ben, puis, on a, nous sommes là, tenez-moi. Et puis, bon, ben, moi, je suis normal. Mais tout le monde a quoi, vous tenez ma silica, ben, du coup, bête, ben, nous, pour vous, il y a quoi, vous vous imaginez, vous montez dans un bus, d'accord? Soyons sérieux. Population congolaise, tout vendi, au matin, un bus, au kofu, ta mongo na yo, vie na yo. Mais taxi men, a confié le maman. Et puis, on a un normal au vali. Si on a un bon abo, on a un matabus pour aller. Si on a un bon abo, on a un matabus pour aller. On a un bon abo, on a un bon abo. Mais taxi men, comment de quel droit lui peut me manquer du respect? C'est moi le client. On a un bon abo. Chauffeur, il y a 207. Place à ça, le dépassement, il y a le dépassement. Bako tout tabango bako sala ba accident au moins ata mutu moko ta telemi asiliki ke ba taxi même na ba legisi jour matata mpona na pexa ba 207 bato ba telemi ba lobi pona ni bozo kanga ba 207 mais ni ba pekisi ba ba mota ba kota pe na gumbia décision eh si koyo je voudrais déjà ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites. Okay. Monsieur Peter Kazadi n'a jamais dit par exemple que bato na mapapa ba kota na gumbete. Mais il y a un certain nombre de comportements autres que tolérer dans la centre-ville. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas appelé à vivre dans la ville? Dans le biboui, quand on a centre-ville, c'est-à-dire au moins on a un immeuble, maman a été foufou dans le boulevard, dans le monde, a été foufou, a la marawana, a lia kawana, a la la kawana, malé wane kakawana. Devons-nous accepter ça? C'est-à-dire quand on veut critiquer. De deux, est-ce que c'est à Peter Kazadi de copier ça que bah, mon tabac les caractères sur certaines avenues
certaines artères principales. Mais c'est à qui alors? C'est à nous, la population. Misoku Touné, il fallait te traquer, ministre à l'intérieur, pour lui dire non, parce que ces gens nous tuent. Un, mes frères motards, c'est des personnes qui roulent sans respecter le, comment, le code de la route. Code de la route. Vous le savez ou pas? Deux, ils sont devenus un danger pour notre nation. Ça veut dire les loyaux. Mon toi qu'on respectait, à zot tamo, à zot respecté, bandit, à zot respecté, côté, mais son qui au toutillé, de ce qu'on y a, y a toutillé, bah, causé la police, t'es bah, kotou, maman, tout ranayo. Savez-vous, madame, comment est-ce que chacun d'entre nous est en danger tous les jours? Parce que tu peux passer n'importe où, un motard te cogne, on brûle ta voiture. Et ils vont se disperser, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre la vie de tes enfants. C'est-à-dire, nous sommes dans quel genre de république? Mais on a une décision, mon petit calama, mais décision, ils ont joué à Mathé. Ah, voilà. Si on a commis, on a l'objet. Tu commis la survie, tu commis la colère. Vous avez dit que. Bah, Rwandais. Survie na bango, ils appellent la minerai na biso, bah, oyiba. Non, soyons. Allez, non, s'il vous plaît. Non, madame. Bon, tout ça, la boue, tout ça, na yote na son caméra. Bah, Rwandais, ou bah, on s'abuse au guerre, bah, rebelle, wana. Survie na bango, elle est kuna. Minerai ou bah, oyiba. Et on s'arrête pas fout à bango. Yango, go tombe la Rwanda. Économie na bango, zotom, mama. C'est-à-dire qu'ils ont fondé leur économie sur le vol. On est d'accord? Une infraction reste une infraction, quelle que soit la raison pour laquelle on est relevé. Nous sommes tout à fait d'accord que ces jeunes, au longue dans la banlieue, dans la centre-ville, créer un emploi pour la banque, vivre. Mais est-ce pour autant que Bango va s'engager à respecter les mecs qu'on a mboka? Et que les loyaux, je voudrais finir en disant le coup la Bango va s'engager à boya pour respecter les mecs qu'on a mboka, l'été s'engager à tika Bango, babo mayo, paisible citoyen, pour Bango, babo le rouban en a désordre. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que tu remarques justement l'absence de l'État quand? Quand on a brûlé ta voiture et que l'État incapable a eu côté n'a pas bateau pour bateau va brûler mon tourano bali va citoyen congolais va tourner mon tourano pour monter avec au côté de notre mouton. Et quand l'État prend des décisions, on insulte le ministre. Vous voulez que l'État bon neti boy bon bon pense à ce qu'on est mal. Faut aussi un débat. Ça un débat nous souvenons pas motard. Non, je voudrais comprendre. Tant au lobby, c'est vrai. Les motards. Bon. Et expliquez moi. Ok. Très bien. Gratuité en tout cas, qualité enseignement. Il n'y a pas de problème. Bafouta à kaka. D'accord. On a deux choses. Nous allons faire un travail, Dieu aidant, dans les jours qui viennent, un travail de contrôle. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, la gratuité des soins de santé. Pourquoi? On a remarqué justement que le Congolais, je vais donner un exemple, il faut comprendre que gratuité enseignement, ils ont raté pour commencer. Gratuité à maternité, ils ont raté. Ils ont dit subvention, il y a maternité, subvention et enseignement. C'est-à-dire que l'État prend la responsabilité qui devait revenir aux parents. L'État a dit qu'au foot et la balle à la bino, bah frais. Et ça qu'on fait l'été. L'État fout à la bah école, Minerval au bino, on va aller qu'au foot à l'État du place à la bino, on va aller qu'au foot à la école pour que l'école est en ça va à la bino. Ndéremon, qu'on peut l'État au foot à la hôpital pour que maman soit ok au foot à thé. Mais ma elle et ma bé, na moto na Congo, na tibie pola, Congo la commis, soko moto yé, na compte na l'État. Je ne sais pas si je vais bien pour que je continue à vous dire que c'est du vol. Si la population est soutenir l'État, la population est soutenir mon temps, pour que je sois gratuité. Mais non, nous devons changer nos mentalités.
Tout ce que la maman a mota. Ma mota va le mini. Yo syndicat. Oh, ma mota. Ma mota, elle a dit ceci. D'accord. Et si ka, et si ka, motara wiko kumakaka na gombe. Tokangi parenthèse, je voudrais demander, maman, mouni bouvaro nenge yali, ba tiyo ministre de l'intérieur. Yo kanisi ministre de l'intérieur tango wako zwa décision na police. Eli po ba lala ki ba la mouka ki, to po ba zwa ki ba plainte na population, ne ba yibisi ba mba bi, tala makamu ba motara wako sala. Pourtant, on va porter un barreau au moment. Tant qu'on va créer un accident, c'est nous-mêmes, la population, qui allons nous plaindre auprès de la police. Quand ces enfants viennent nous voler ici, nous téléphonent. Parce que ce sont les motards qui nous ramènent ou qui favorisent l'exodouane. Batosiko, yo, oh, bisoto, vandia, boye. Toro, mon, a pas si on a n'y a surtout barreau, mon, isa biso. Tofundi, na police. Police, a l'obité. Pour limiter les dégâts, beaucoup dans la ville. Mais sur la population, tout le monde est l'état. Bon, tout ce qui est en train le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non seulement ça, il y a un problème. Le motard, c'est le coulou sur moto. Donc, ça presque n'est pas mon rôle. Même quand on va transporter la bise, oh, l'État, le billet, l'État, tout le monde dit que tout le monde a l'État à l'été. Parce que transport, oh, le délo, c'est comme on a compris. Pourquoi on a mis dans échanger prix? Pourquoi échanger prix l'État? Je voudrais vous resituer. Rapidement. Vous avez déjà voyagé, madame? Déjà, oui. Vous avez déjà voyagé? Oui, vous avez déjà voyagé. Vous avez déjà voyagé à l'intérieur. Tu es à l'intérieur, tu es en dehors de la RDC? Maintenant, répondez à la question. Non, non. Bon, au voyage à thé. Au moins, ils sont pratiqués dans le Brazzaville. Ils sont appliqués barème. Il y a transport, il y a Brazzaville à Kinshasa, ça va te faire transporter. D'une manière générale, dans le monde, le transport coûte cher. Déjà, à la base, Bissau a en Congo, le carburant, le prix que tu fous dans la pompe, l'État suivant. Est-ce que Congolais, il y a dit que. Non, je ne comprends pas là. Vous voulez soutenir. Je ne vais pas soutenir. Je ne vais pas soutenir. Je suis en train de vous donner une réalité. Le prix du carburant à la pompe est appris à RDCT. Il y a politique mondiale. Okay. D'accord? Où est-ce appliqué? Sur le biso, pouvoir d'achat à la population de l'Alimouké, l'État a foutu la rabiso mon na carburant. Où est-ce qu'il a donné mon moto avant d'aller à Yébi à côté que l'État a sommé la rabiso carburant? Ça veut dire. Sur ce okay, le litre coûte combien aujourd'hui? 3 000. Normalement, le prix est coûté 3 000. Il y a 5 à 6 000. Mais, tant que vous avez fait 3 000, na yo, l'État a fait 2 millions. Vous avez 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 fait 2 En tout cas, vous avez fait 4 millions pour Bissot. Tout son carburant à la pompe moins cher. Ça, c'est un. Deux. Dans le monde entier, le transport coûte cher. C'est-à-dire, même à Wana Braza, ce qu'on a eu taxi, on a eu un bon rebelle. Là encore, l'État subventionne. C'est-à-dire, pour la mise sur la possibilité de transport, on a combien 1000 francs, on a eu Et ça l'a que... Non, na lobby boy, je suis en train de. Parce que ma course est allée, ma prix est allée. L'État engage beaucoup de moyens pour nous permettre d'avoir le transport à ce coût-là. Je me rappelle même à l'époque de Mouzé, il y a eu un débat. À l'époque, le ministre des Transports ou de l'Économie, je pense, c'était Feu Papa, le papa de Jean-Pierre Bemba. Il a dit à Mouzé, prenons le risque
tout comme ça transport on a donné un mot tout bande à bouna pour nous pour la population pouvoir d'achat à quoi vous supporter. Pourquoi? Parce que les investisseurs bah il y a un secteur porteur, c'est-à-dire secteur où il y a monique ceux qui n'a timbongo n'a rien à quoi cotiser net il transcolle les loyaux bah fonctionnera un déficit, c'est-à-dire que mon haut transcolle cotisaka par jour, par mois, par année et cocacaté aux soit charge. Il y a amortissement, il y a bus, na ko futa, c'est-à-dire parce que ça a bénéfice. Il y a un bon moni zara, tantôt plutôt moni ba meka kiawat. Na ilo na bongo ya vie la Kinshasa, ba on un esprit de vie. Et pourquoi? Parce que tozo futa transport moins cher. Surtout aussi si na ko na mambo futa ba transport. Te ko ba que c'est mauvais comportement ya ba chauffeur na bus, na ko bénéfice na bus ba bus les sousou. O que na suri ba étudiant, ba siliki, ba kamati bus na l'état ba tumbi. Voilà, nous sommes toujours comme à tromper sa faute nanani. Parce que nous refusons de comprendre que mon mot va sombibi, c'est la transco, va sombibi, c'est l'esprit de vie. Il y a ni mon mot na yo. Non, le social au Congolais, allez pour l'État, mon mot. Non, l'État fait déjà beaucoup d'efforts en subventionnant Makambo et Bélé. Je vous ai donné un exemple ici. Tout ça qui a subvention, il y a carburant pour leur permettre que le transport ait diminué. Les lois de côté, la subvention, j'aimerais l'appeler comme ça, parce que mon gratuité, maintenant, je comprends la gratuité. Subvention, il y a école primaire, Félix Tshisekedi d'Alobi, Mikolo Tozo, Kenebaliba, comme c'est moi-même, ma matière, l'habité, le Moussousou. Nous avons la maternité. Nous sommes allés à l'immonde, l'État, allés au foot, à la cause en charge sociale de la population. Mais voilà, le comportement de la population, le comportement de la population, c'est quoi? Nous allés qu'on permettre à l'État à accroître ma performance naïe. L'État a zali buté na mauvais comportement na population. Soko to tomoki, to somagi 10 bis, to tumbi 8, to tikali na 2. Si matoye koloba, l'État go sale le côté. Soko to tomoki, wana go to tomoki te, olamugi na tongo, soko li maïna, okamati bi korokoto ya fufu, obwa ki na kanivo. Balabala lelo, bato bakomi, omona mwana kamati pena, akei na kantine, bako yi ba kayas nanzela. Lobi nzele toboki, babu seko beba, nyo sa to zongi cela, pouwa wana nyo sotou na l'Eta. Nous sommes, madame, je voudrais conclure ici, nous sommes le premier, c'est-à-dire la population est le premier partenaire de l'État. D'abord, un, Congo la foutaka taxte, Congo la foutaka impote, mais bato nyo sa to ko lula na poto. Pourquoi est-ce que l'Europe est un pays développé? Ça cause à ma minorité, c'est d'abord les taxes. C'est d'abord les impôts. C'est-à-dire, ceux qui te disent qu'on fout ta vignette, ceux qui le lobe aussi à ton hôtel de ville à Kaka, ou quand tu as mis au Kima. Quand tu as mis au Kima, tu as 24 ans à Monique, quand tu as mis au Gara, tu as mis au Kima, tu as aligné le courant contre l'exécutif. À quand tu as mis au Kima, tu as mis au Kima, tu as mis au Kima. Mais ceux qui les ont en charge vraiment, ils ont mis au Kima. Oui. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand on est dans le local et pas dans le bango, il y a des gens qui sont en train de rebelles. Il y a des gens qui sont en train de se rebeller. Il y a des gens qui sont en train de se rebeller. Il y a des gens qui sont en train de se rebeller. Kagame! Si vous êtes en train de se rebeller, bon, monsieur Kagame, maman, je n'ai pas dit ça en tout cas. Moi, je suis. Mais yo, mon yo, ma lamout. Non, mais il y a pas eu pour la mais yon, on a le bio. Non, imaginons, si ce que vous disiez était vrai, mais combien de Congolais vont rebeller? Toujours, comment la frustration est tellement élevée. Frustration à Nini. Bon, Netiboué. Dans laquelle il y a une élection, Naibi m'a quand même bêlé les gars et la CENI. Est-ce pour autant que je dois devenir mais on rebelle? Hein, non, mais justement, c'est un comportement responsable. C'est pourquoi il faut la loba. Et ce n'est pas obligé de la loba. Mais naïbi m'a rebelle que le son de la loba, mais quand il m'a rebelle, il m'a rebelle dans la balade. Mais, tu vas dire au talent. Ah, monsieur Kadima, tu as fait ça avec tes cousins. Vous avez pris, vous avez donné à vos femmes, à vos enfants, à vos familles, pour bisous, il n'y a pas de problème, on vous regarde. Mais est-ce pour autant qu'aujourd'hui je peux aller et je dis bon, d'accord, parce que Kadima, parce que ceci, je deviens rebelle.
Et pourquoi ces autres sont partis? Parce que ce sont des inconscients, simplement. Banalo koso. Baliba très très. Nous sommes presque à la fin. Donc, même pas à la, presque à la fin, nous sommes à la fin. Monsieur Maïcheba, nous sommes à la fin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, de toutes les manières, je pense que je suis. Je reste positif. Je sais que le combat, il est vaste. De un, nous allons continuer et je demande au peuple congolais de continuer à faire confiance à son Excellence, Monsieur le Chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, parce que Nzelazo Memabiso, quel que soit nivellement vers le bas, obliso population, naba ninga ebele na politique, bako, linga kobe na NAC, mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, a commis Abiso à bon port. Deuxième chose, je voudrais ici demander à la population de soutenir réellement. On le dit? Oui. C'est-à-dire de soutenir réellement la vision du chef de l'État. Soutenir la vision du chef de l'État n'est pas dire Fatih Bé. Non. Autant la même été. Soutenir la vision du chef de l'État voudrait dire, par exemple, ceux qui sont allés fonctionnaires de l'État, ici au Congo, les gens ne travaillent pas. On ne le sait pas. Beaucoup de gens se plaignent. Ah non, Bisson Nzala, mais vous ne travaillez pas. Comment vous voulez? Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous voulons aller devenir députés. Mais nous voulons aller devenir députés pourquoi? Pour devenir des nouveaux voleurs. Mais comment voulons-nous que Mboke Bonga, si nous n'avons pas pris la décision de changer? Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Bakoté au général, yo pogo mouyi, yo yi baraba armo tela kagame. Bati au colonel, yo osso me la raba soda bilo kona kolia, yo pogo mouyi, yo yi baraba Thompson. Bati au député, osso, na yo ki balobi ou non, nani, ba, salaire na ba député, ben on yine émolument. Émolument. Ba mati siya wako misou, ba bie mati, ba zo bunde mata li sous. Po soa disa ba député ba kendara, kokunda bi bembe. Parce que tout va aller là, pas là-bas. Voilà. Si on a minute, on a minute, on a minute, tant que nous sommes en train tous les jours de refuser de changer nos comportements. C'est une aberration. Merci infiniment. Merci, madame. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Partagez la vidéo, aimez, likez. Nous sommes là pour vous. Nous vous servons. Au revoir.